Si est-ce à l'âge de 35 ans que Mayouen foulait pour la première fois le tapis rouge du Festival de Cannes. À l'époque, la jeune réalisatrice était venue présenter son film Police, qui suivait le quotidien des policiers de la brigade de protection des mineurs. Un récit poignant au casting en or avec le rappeur Joey Starr, Marina Foy et Nicolas Duvauchel. La Benjamine de la sélection était apparue dans une magnifique robe bleue bustier pour le photocall de film. Tout sourire, elle n'avait pas hésité à prendre la pose sur la croisette avant la montée des marches de la 64e édition. Mayouen avait décroché le prix du jury au Festival de Cannes sur le tapis rouge, Mayouen avait fait sensation entourée de l'équipe du film Police. Il faut dire que sa longue robe bleu marine, satinée et fendue jusque en haut de la cuisse, était très sexy. Elle s'était cependant montrée naturelle, n'hésitant pas à prendre des photos avec son propre appareil. Pour clôturer son tout premier passage au Festival de Cannes, Mayouen avait marqué les esprits dans une robe rouge signée Balenciaga. Elle s'était vue remettre le prix du jury par Chiara Mastroianni. Une véritable consécration pour la réalisatrice dont le film avait ensuite décroché un Lumière de la meilleure mise en scène ainsi que 13 nominations au César. Time's up.